Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve en ce 8 janvier sur Founders Fortune pour le 3-4e épisode. Je sais plus. Je suis un peu rouillé sur le jeu, ça fait depuis le 22 décembre que j'avais pas joué dessus, donc c'est pour vous dire. Dans le dernier épisode, on avait commencé à agrandir notre bâtisse pour de mémoire ici virer les chambres et en faire un espèce d'atelier d'armes. Ici faire vraiment la structure atelier où on déplacerait tout ça, on mettrait tous les ateliers là-dedans. Le marchand toujours pas, on n'a rien à te fourguer. J'ai pas encore trop avancé, en fait je voulais avancer, finir la construction de tout ça, sauf qu'il y a deux choses qui sont arrivées qui sont assez intéressantes. Premièrement, ça c'est drôle, c'est la recherche, on l'a fini, on a débloqué l'irrigation. Donc pour avoir un puits et un arrosoir en bois, donc je pense que ça va profiter à notre fermier qui est Emmanuel. Et je suis parti sur la brasserie parce que picoler c'est bien, hein, c'est toujours bon, surtout en ces temps de Covid où on manque d'alcool. Hein. Bien sûr, consommer avec modération. Hein. On verra ce que ça donne la bière, je pense que ça peut être assez fun. Et deuxième chose, c'est surtout celle-là qui me bloque parce qu'au pire la recherche je l'aurais avancé, c'est pas très grave. C'est surtout Maurice. Ce Maurice là, à chaque fois il me fait des dingueries dans les épisodes. Et là, le problème qu'il y a, c'est que il s'est pété la jambe au dernier épisode. Oui, ça fait très mal. Et que le souci, c'est que là, il a plus d'humeur parce qu'il a faim. Donc vu qu'il a faim, il a plus d'humeur et en plus, il a la santé qui baisse. Il est sur le point de claquer, le pauvre Maurice. Et en gros, il faudrait lui faire une attelle pour réparer sa jambe. Le problème, voilà, il meurt de faim et jambe cassée. Ne peut pas marcher. Et il faudrait faire une attelle d'après ce que j'avais compris. Le souci, Maurice, c'est pas que je veux pas t'aider, c'est que je sais pas comment on fait l'attelle en fait. J'ai regardé là, il y a atelier de charpentier, il y a... Non, il n'y a pas. On peut faire l'arrosoir, machin. Ici, on peut faire du tissu. Et là, dans cet atelier-là de tailleur, on peut faire des fringues. Donc ça, c'est des boosts. Boost d'apprenti docteur, fermier et tout. Ça donne quoi, ça, par exemple? Midi cette tenue, les fermiers travaillent plus efficacement, semer, arroser, prend un peu moins de temps. Ok, et ça se vend 200 pièces. Ah ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, faudrait réussir en craft et on va devenir commerçant de fringues. On va faire grossiste en fringues, hashtag Alibaba, AliExpress. Non, je déconne. Bien sûr, bien sûr. Non, par contre, ce qui est emmerdant, c'est pour faire son attelle. Je sais pas du tout où est-ce qu'on peut faire une attelle, parce que là, on a quoi? Atelier de maçon, ça m'étonnerait que ce soit dans l'atelier de maçonnerie qu'on puisse faire ça, quoi. Moi, j'aurais dit ça aurait été là-dedans, mais apparemment, non. Chantier naval. On peut construire, ok. On peut carrément faire des bateaux. J'étais pas au courant de ça. Ça c'est de la déco, siège pillé, tapis. Non, c'est du stockage pur et dur. Mais son attelle, je sais pas du tout comment on peut faire une attelle. Il y avait un gars qui était pas mauvais en docteur, c'est clair. C'est où déjà là? Docteur, non, il y a personne qui... Je suis sûr qu'il y a... Si c'est Maurice le docteur, on est mal. Putain, c'est Maurice le docteur. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, compliqué. Parce que le truc, c'est que même si je prends un colon et que je clique sur Maurice, on va éviter d'en arriver là quand même avant de le tuer, le pauvre. Transporter jusqu'à son lit, apporter de la nourriture. On va déjà lui apporter de la nourriture, on va voir si on peut le faire survivre comme ça, mais... Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr que le seul qui pourrait se faire une attelle à lui-même, c'est lui. Non, même pas. Oh! Comment on fait une attelle? Maurice, tu vas... On va te préparer une tombe, hein, si ça continue, mon pauvre. Ça m'embête, parce que, bon, certes, il me fatiguait dans les épisodes, mais... Je l'aimais bien, justement, c'était ma tête turque, le pauvre. J'aurais juste le... Je sais pas du tout comment... Il faudrait être médecin, je pense. Soigner, fabriquer des remèdes... Ah non, c'est même pas ça. Soigner, blesser... Soigner les colons blessés, peut-être, mais... Là, c'est menuiserie, tissage, couture, mineur, forestier... Ça m'étonnerait que ce... Non. L'érudit, il fait quoi? L'érudit, c'est juste de la recherche. Soldat, bâtisseur. Traite... Ah, mais là, docteur, mise en place d'une attelle. Putain, c'est là. C'est là. C'est là. Y a pas un autre docteur, là? Docteur niveau 3. Ça, c'est Maurice, c'est mort. Non, mais on est mort, hein.
Enfin, Maurice, il est pas bien. Et docteur, où c'est qu'on peut craft là-dedans? Et mobilier. Commode en bois, étagère. Écriture, décoration, ouais. Architecture, armes. Comment on fait médecine, cabinet? Ah, mais c'est là qu'il faut rush. C'est ça qu'il faut rush. C'est l'écriture, puis la médecine. Oh. J'avais pas vu. Vous avez pas vu, vous avez pas vu. Oh là là. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire la recherche et tout le tralala parce que. Bon, Maurice, déjà, il a plus faim. Il faudrait que William, il rush la recherche. Dabaï. William, analyser les cristals. Analyser. Au lieu de dormir dehors, là, espèce de gros sac. Toi, t'as fait un tissu, oui, parce qu'en plus, Maurice, il voulait un lit. Il voulait un petit lit, donc déjà, on va lui faire un petit lit. Et dans cet épisode, donc, on va essayer de sauver Maurice, hein, ce serait pas mal. Déjà pour commencer. Et j'aimerais bien finir au moins la mise en place au sol, on va dire, des maisons. Je sais pas trop la place qu'il faut. Et de faire les maisons comme ça, je pense. Donc là, après, il faut calculer que ici, on mettrait Emmanuel au fermier. La maison la plus ici, ou à l'artisan, on mettrait par exemple William, notre chercheur, qui soit le plus proche. Et essayer de dispatcher comme ça. Et peut-être sur deux niveaux. Pour qu'ils aient de la place, pour pas éviter de bouffer trop de place là. Parce que ici, pareil, je ferais bien un couloir. Là, une petite réserve. Et après, les fermes et tout, pour les vaches, je pense qu'on les mettrait par là. On ferait un coin fermier tout ici, genre avec une étable et tout. Je sais pas si on peut le faire. On verra ça. Et essayer évidemment aussi de survivre aux gobelins. Et je pense que le jeu prend du temps et prend beaucoup de temps à tourner des épisodes. Et là, je me rends compte qu'en fait, on arrive dans des. Moment du jeu où ça y est, il faut commencer à tourner 2, 3, 4 heures de jeu pour réussir à avancer dessus. Et j'ai pas forcément le temps, c'est pas que je veux pas, mais j'ai pas forcément le temps de tourner des épisodes de 3, 4 heures et de vous les condenser en vidéo sur une demi-heure 45 minutes. Parce que tourner 4 heures et condenser une vidéo en 30-40 minutes pour que ce soit regardable, rien que l'épisode 4 heures plus le montage, on va dire encore 2 heures. 2-3 heures, ça fait 6-8 heures, entre 7 et 8 heures posé dessus, j'ai pas le temps les amis. Donc, je me dis, est-ce que je ferais pas des lives dessus? Il faudrait que je programme des lives parce que je live Twitch le mercredi soir. Mais Twitch c'est plus mon défouloir où je peux tester des jeux, des machins avec la team et tout. Mais sur les jeux de gestion comme ça un peu solo, je me dis sur les lives YouTube ça peut-être vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour en revenir à l'épisode, donc Maurice il est là, est-ce que ça va mieux Maurice? Ouais. Déjà, t'as moins faim, t'as la santé qui est remontée, t'as l'humeur. Ok. Maintenant, il faut que William. Vas-y, William, il faut que tu me rushes les recherches là, vite, vite, vite. Alex, toi, tu coupes du bas. Mister Emmanuel, vas-y, tu te charmes, mais. Qu'est-ce que tu fais? Insulter? Non, mais. Déjà, construis les champs là, finis de faire des dingueries. Plutôt ici. Comme ça, tu vas récolter des patates. Il nous faut toujours plus de patates. Et on va commencer à essayer de regarder. Non, c'est pas là. Hop. Là. Le sol. On était à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 3, 5, non. On a fait 5. En sachant qu'ici, là, ça fait deux fois moins. Et là, en largeur, il y avait combien? Il y avait 3. Donc, je pense que là, déjà, on pourrait faire. Ou alors, on pourrait faire une maison là. Et je pense qu'on va faire. On va faire. Une dalle de plus, et à partir de là, on posera les murs. Mais 1,2 bois, avant c'était un bois, non? Il y a eu une mise à jour qui est sortie, où ils ont changé pas mal de trucs. J'ai pas regardé dans le détail, mais il y avait l'air d'avoir des choses sympas, qu'on peut débloquer au fur et à mesure sur la recherche. Ah, c'est vrai qu'il y a les fenêtres et tout, ouais, nice. Par contre, le bois, fait chier, 1,2 bois, ça coûte cher maintenant. On va le faire comme ça, et on va mettre la porte de suite. Est-ce qu'on peut mettre une jolie porte? Avec 10 pièces, 10 bois, 10 pierres. Pour 30 dans un château. Ouais, mais non, ça c'est pas une maison. Des pièces, on en a 70, on n'a pas beaucoup. On va plutôt mettre une porte simple de. Porte en bois robuste, porte en bois moderne. On va peut-être mettre une porte en bois moderne. Et on va essayer de centrer ça. On la met sur le côté. 3 et 2. Ouais, 3 et 2, c'est pas mal. Donc là, on va faire une première maison déjà. On va mettre un escalier. C'est quoi cet escalier royal là? Ouais, mais 40 pierres, 150 pièces. Ah la vache. Escalier puissant.
Ah oui, c'est joli, mais 50 bois, quoi. Escalier décent, 30 bois, et escalier délabré, ouais, ça fait vraiment miteux. Non, mais celui-là, il est sympa. Celui-là, il fait un peu sombre, je trouve. Et celui-là, il est sympa. Maintenant, c'est savoir comment on va aménager ça. Parce que je pense qu'en bas, on va faire genre cuisine, salon, machin, truc, limite, on leur met la télé. Donc, pour que ce soit opti, le top, ce serait que... Parce qu'il faut penser optimisation aussi, c'est bien joli de faire des trucs tout beaux, tout mignons, mais... Parce que s'il traverse à chaque fois pour monter, c'est pas cool. Alors je le mets comme ça. Et on mettra de la déco au mur là. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez hop. Au pire, là, on pourra même tirer un mur, genre faire cuisiner tout le tralala. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va laisser construire comme ça. On a quoi, du bois? Maurice, t'en es où toi là? Putain, Maurice, faut qu'on te surveille. Claire, t'es là. William, t'es là, tu manges? Ouais, vas-y, finis de manger et après t'apportes à manger à Maurice pour pas qu'il claque de faim, le pauvre, s'il te plaît. Et William, t'as plus d'endurance, va faire dodo, c'est pas grave. Nous, on va commencer à réfléchir, hop, au toit. Comment ça marche? Et là, je sais jamais. Est-ce qu'on en met un ou deux? Un, c'est sûr. Deux. Pour pas qu'il se cogne la tête quand même en montant. Je pense que deux, ça doit passer. Non. Deux, ça passe pas. Donc c'est un, pas plus. Pas très pratique ça. Et on va remettre des murs. Hop. Et on posera les fenêtres, évidemment. Voilà. Comme ça, là, ça sera fermé. Et là, il y aura un petit toit. On va mettre une fenêtre. Ouais, je fais ma Dorémi. Ma. Valérie D'Amido. Pas Dorémi Valide. On mettra une petite fenêtre une fois qu'on aura récupéré du bois. On va accélérer le temps. Donc moi, je vais essayer de sauver Maurice. Et on va rush donc la construction, la recherche. Et je vous reprends une fois que j'ai un peu avancé, que j'arrive à un truc satisfaisant. Tout en essayant de maintenir Maurice en vie. Pour éviter de le perdre, ce serait dommage quand même. Eh ben Maurice, tu travailles? J'ai eu peur, les amis, de le perdre et tout, machin. Et apparemment, non, ça c'est... Ça s'est résorbé tout seul. La blessure, tout ça, il remarche. Il est retourné au travail comme un grand. J'ai rien eu à faire, je viens de m'en rendre compte là à l'instant. Donc c'est pour ça que je vous reprends. Et ça prend du temps. On a essuyé une attaque de gobelins. Donc j'ai dit à Manu pendant l'hiver, vas-y, enterre, machin. Sauf que ce couillon, il a pas fini de construire ceci. Donc je vais lui dire, ah, Manu, construit ceci, voilà, on va lui donner 3 heures d'affilée et après il ira les enterrer vu qu'on est en plein hiver. Il a apprivoisé une vache aussi. Je lui ai dit, bon, il n'y avait rien à faire avant l'attaque de gobelins. Je lui ai dit, vas-y, essaye d'apprivoiser une vache, ça va marcher. Mais non, comment ça marche? Très bonne question. Est-ce qu'elle produit du lait? Est-ce qu'elle nous produit de la viande? Je sais pas. On a fini la première recherche d'écriture, c'est pour ça que j'avais peur de perdre Maurice et en fait, non. Burnout, ouais, ils font tous des burnout à mon avis. En ce moment, je les ai fait trimer comme des forcenés. Et le truc, c'est qu'il va nous falloir des parchemins apparemment. Mais les parchemins, je ne sais pas comment on les fait. Là, ça devient très compliqué d'avancer, les amis. J'ai l'impression de laisser tourner beaucoup de temps pour au final pas avancer très très lentement. Le jeu est très long. Il est fun, hein, il est mignon, il est agréable à jouer. Franchement, je regardais le temps passer. Même le temps qu'il bossait sans l'attaque de gobelins, c'était fun, c'était cool. Mais ça prend énormément de temps. Maurice, bon là tu déprimes. Je sais pas trop pourquoi. Légère douleur, aïe aïe aïe, ça fait mal, ouais. Mais ça va passer, t'inquiète, tu t'es rétabli et tout. Ouais, sauf que Maurice, là, il veut plus rien écouter. Ça, c'est le problème, comme souvent. Donc, on va le laisser. Parce que je me dis, pour la recherche, il faut du parchemin, mais le parchemin, il faut du fer. Ça devient très complexe. Et le jeu est complexe dans les rouages du gameplay. Et ça fait plaisir. Parce que la dernière vidéo d'Empire of Sin, pour ceux qui ont regardé, j'étais un peu déçu de la profondeur du gameplay. Là, le jeu est long, en soi. Parce qu'il faut découvrir les recherches, faut miner les ressources, etc. Enfin, farmer les ressources. Plein de ressources en plus, il y en a quand même une chier.
Et ça prend son temps, mais c'est cool, c'est agréable. Et on se dit, il y a de la profondeur de gameplay. Là, faut réfléchir, faut pas oublier, on se retrouve bloqué avec un problème et faut réussir à le résoudre, etc. Mais faut d'autres ressources. Enfin bref, vraiment, il y a de la complexité et ça, c'est vraiment fun. Et j'aime beaucoup. Claire, arrête de couper du bois. Qu'est-ce que tu fais ? Parler ? Non mais meuf, t'as autre chose à foutre que parler. Viens me construire ça déjà. Toi, William, t'es sur la recherche. Alors je me dis, est-ce que là, j'ai l'impression qu'il faut des parchemins. Il est en train de faire les cristaux. Est-ce qu'à un moment donné, on va se retrouver bloqué parce qu'il faut des parchemins ou je sais pas quoi. On va bien voir. Alexandre, t'as assez de bois. Donc là, tu retires la souche. T'es où là? Ouais. Et est-ce que tu peux miner du fer? Non, il peut pas miner du fer parce qu'il a pas le niveau. Maurice, il peut miner du fer, mais il fait la gueule. Et Manu, Manu, ok, il entretient ses relations, pas de problème, entretient donc tes relations. On a masse bois, on a quasiment fini la maison, donc ça c'est plutôt nice. Donc je me dis, maintenant, la maison, celui qui mérite pour moi au plus, j'ai pensé la 5 minutes avant de reprendre l'enregistrement, et de vous reprendre, celui qui mérite le plus, qui m'emmerde le moins, qui râle pas, qui s'y fait pas mal, qui taffe comme un forcené et qui dit jamais rien, c'est Alexandre. Enfin, il me tape rarement des dépressions. Après, voilà, il fait sa vie, mais vu qu'il est au bois, franchement, j'ai rien à dire. Il fait le taf. Et on va lui dire de venir construire là au lieu de dormir. Et il mérite sa maison. Clairement, c'est le premier qui mérite sa maison. En plus, il va être à peu près au milieu pour les sorties. J'ai rajouté une sortie ici aussi pour qu'ils arrêtent de faire tout le tour. Là, ça leur faisait perdre un temps de dingue. Donc, j'en ai mis une juste là devant la caillasse. Le jour où il faudra aller la miner. Et quand on aura fini de miner ça, hop, on refera la palissade propre. Mais, pour en revenir à ce que je disais, c'est qu'Alexandre, il mérite le taf. Donc on va déjà dû déplacer tout son bazar. Alors, comment on peut faire un truc joli? Est-ce que ça ressemble à quelque chose si je mets ça là? Non, c'est très moche. Si je le mets comme ça. On va tenter comme ça. On va prendre son petit pot de fleurs qu'on va lui mettre à l'entrée. Ça, quand il passe devant, il pourra l'arroser. Et on va lui mettre son petit lit. Et son petit lit, on va le mettre en haut. Hein. Au niveau de la fenêtre. Non. Au niveau de la fenêtre, là. À peu près. On va... Allez! Ah, je me trompe de bouton. Ah, c'est pas centré, là. Dommage. Bon, on va le mettre comme ça pour le moment. Et on verra comment on aménage. Parce que... Je l'ai peut-être fait un peu grande, la maison. Mais c'est pas grave. Voilà. Construire. Voilà, fais-toi ton lit, mon pote. Toi, tu le mérites. Va manger si tu veux, y a pas de problème, va dormir. Et faut que tu fasses ton lit avant de dormir quand même, ce serait mieux que de dormir à la pleine étoile. Parce qu'au niveau bois, on est bien. En fait, il nous met trop bien au niveau du bois, donc je peux faire mes constructions tranquillou. J'ai commencé à construire ici, j'ai pas fermé, juste. Voilà, parce qu'au fur et à mesure qu'on va déplacer les gus. Bah, tu vas dormir à côté de Maurice, c'était comme ça, toi. Ça va qu'il y a un lit. C'est vrai que Maurice, on lui a même pas donné la propriété du lit. J'aurais pu, j'ai été salaud. J'ai zappé. Faut que je le fasse de suite là. Quand il se réveille, les garçons. Comme ça, Alex, il aura sa petite maison. Lui, il aura mérité. Manu, arrête d'attendre les gens et de regarder les gens dormir. Ça se fait pas. Si, ah, encore, c'est ton chéri. Je dis pas, mais je pense pas. Donc ça se fait pas. 11 pièces, 69 bois. C'est les pièces qui m'embêtent en fait. Mais ouais, si tu veux, tiens. Vu qu'il y a du monde qui nous attaque assez souvent, on va rester tranquille. Manu, non, Manu, viens. Est-ce que tu peux faire quelque chose à Arthur? Notre vache s'appelle Arthur. Alors il peut la battre, il peut lui parler. On va lui faire parler à la vache. Qu'est-ce que ça fait à parler à ta vache? Rien. Ça, c'est génial quand même, parler à une vache. Ok. Ça a rien fait. Conversation agréable. Ah, Maurice. J'ai cru que c'était la vache. Ça va, ils sont pas complètement fous. Ils sont pas complètement demeurés, ça c'est plutôt fun. On est toujours en hiver, la bouffe... Ah oui, mais tiens, on va te faire de la bouffe parce que même en plat cuisinier, il y a plus rien. Qu'est-ce qu'il te faudrait, mon petit Alex, maintenant dans ta maison? Qu'est-ce que t'as besoin? Atteindre la relation de tester avec Emmanuel. Non. Avoir un endroit où stocker sa... Ah, oui. Avoir un endroit où stocker ses vêtements, ça on va te le faire, mais juste avant, ça me fait tilter que Maurice, on va te dire
prendre la propriété. Voilà, et ça, ça pour l'instant, il n'y en a pas besoin. On va le détruire. Voilà. Il y a quelqu'un qui viendra le détruire. Et donc, Alex, tu voulais quoi déjà? Stocker les vêtements. Alors, stockage, vêtements, armure, vêtements. Ben, vêtements, ça va être dans la chambre à coucher. On va te faire un dressing. Je sais pas si on peut vraiment faire un dressing, mais on va essayer de faire un truc qui ressemble. Tu vois, on va te les mettre là. Et là, je sais pas comment je peux faire. Est-ce que je mets un mur? Est-ce que ça va faire dégueulasse ou pas? Si je mets un mur comme ça. Voilà. Et là, on mettra une armoire, je pense. On va mettre un stockage, genre... armoire médecin, non. Toi, t'es bûcheron. Y'a pas un truc pour toi, là, en termes de bûcheron? Étagère en bois, lourde, coffre, tenue... Support d'armes, support... étagère de parchemin, présentateur d'armes, réserve à bois, ok. On va pas te mettre une réserve à bois dans la chambre, quand même, ça se fait pas. Un petit coffre, là. Je sais pas ce qu'on peut mettre dedans. C'est pas grave, c'est juste pour le faire joli. Et de la déco... J'ai vu qu'il y avait des trucs muraux. Ah, mais il y a carrément des jardinières qu'on peut mettre aux fenêtres et tout, mais c'est génial. J'avais pas vu ça. On peut lui mettre une cheminée. Ah bah attends, on va te mettre une cheminée, Alex. Toi qui es au bois, tu vas pouvoir te couper le bois toi-même. Petite cheminée. Petite cheminée avec le conduit qui remonte sous le lit. Ça chauffe, c'est normal. Un petit coin de lit, ok. Je me disais, je réfléchissais tout à l'heure, je sais pas si j'aurai le temps dans cet épisode, mais peut-être faire un mini jardin pour chacun. Vous savez, genre une petite porte là qui donne là, sur une petite cour extérieure de chacun de, je sais pas, de 3-4 cases sur la longueur là comme ça. Et d'avoir les maisons espacées parce que on va pas pouvoir avoir moult gens dans le village. Ça reste assez limité. On va bientôt arriver en fin de saison 2, donc dans l'été, ça serait cool. George, William, toi t'avances toujours sur la recherche, ça c'est plutôt cool. Faudrait qu'on réussisse à faire des armes et qu'on commence à aménager un peu cet atelier. Et ça vient là, voilà, dans le coin. On va optimiser un peu la place pour le moment, même si ça sert pas à grand chose. C'est pas comme si le bâtiment était pas immense. Les cristaux, on va le mettre là. Claire et demi forestier, ah ben nickel. Comme ça là t'es contente? Ouais. Claire ne s'intéresse à son salaire pour le moment. Ah mais parce qu'il va falloir les payer à un moment donné. Ah bah si faut les payer, on n'est pas rendu les amis. Ça va être compliqué s'il faut les payer. Parce que pour l'instant on gagne zéro revenu. Après en faisant du craft de vêtements quand on voit que c'est 200 pièces, ouais ça vaut, je pense que ça vaut le coup. Manu, qu'est-ce que tu fais? Tu parles Alex, ok. Oui, c'est ça, le jeu est long dans ce sens-là, c'est qu'on fait des choses, mais ça prend son temps. Voilà, faut pas être pressé, c'est un jeu tranquillou, bilou, mais qui est vraiment fun. Moi, j'adore. Franchement, j'adore ces petits jeux de gestion. Et j'espère que on va réussir à trouver un nouveau jeu assez rapidement, parce que ce week-end, je finis donc le Let's Play sur Empire of Sin. On va arriver au 10e épisode. On rush la vidéo sur la vidéo, les prises de planque. On fait comme je vous ai posé dans la dernière vidéo, votre choix, votre possibilité, qu'est-ce qu'on faisait et vous avez choisi dans l'ensemble. Donc on va faire ça. Il faudra que je trouve un autre jeu de remplacement. J'ai une autre vidéo à tourner sur qui sortira, je pense, mardi prochain. On va refaire un tour sur Fishing Nord Atlantique parce qu'il y a eu une super mise à jour, il y a eu de l'ajout de bateaux. Il y a un abonné, Ludo, qui m'a demandé aussi de faire une vidéo récap astuce tuto. Donc je vais travailler un peu ça et je vais essayer de vous faire un truc sympa et mon ressenti là-dessus, et mes astuces et mes conseils. Condenser dans une vidéo, parce que c'est vrai que sur 18 ou 20 vidéos, ça fait peut-être un peu long. Je voulais faire aussi sur Fishing une vidéo sur les 20 bateaux, mais... En gros, il faut une certaine somme et j'ai pas la motivation d'aller farmer la somme astronomique qu'il faut pour tous les acheter, tous vous les ai présentés en vidéo. Donc, si je trouve une solution, je le ferai, mais pour l'instant, c'est tombé à l'eau. Il y a Stronghold World Swords qui arrive, mais le 26 janvier, donc ça va arriver assez vite, mais je pense qu'il y a une dizaine de jours, là, il y a 2-3 vidéos où je vais avoir un trop de vidéos, donc il faut que je trouve un concept. Si vous avez des idées, dites-le moi. Si vous voulez que je présente des jeux, dites-le moi. Pirate du capitaine, oui. Un nouveau navire est poursuivi et une tonne de pièces à bord. Pouvons-nous cacher le trésor dans la réserve de votre île?
pendant un certain temps. Vous aurez une part de l'argent. Ça sent la richesse, mais ça sent l'embrouille. Je sais pas ce que... Captain Alexandre, je l'aime bien. Mais vu que c'est le même prénom que notre pote et qu'il bosse bien, ouais. Juste pour ça, on va dire, ouais. Mais je sens l'embrouille que ça va partir en baston total. Sauf qu'on n'a pas des armes énormes là-dessus. Enfin, clairement, en termes de métier, on est à la rue, quoi. Manger. T'arrêtes de bouffer, tu vas me miner du fer, gros sac, là. Est-ce que tu mines du fer? Ah, mais il est clopin-clopin, là. Ah, j'avais pas vu ça. Vous avez vu quand il a marché de loin? Il était clopin-clopin, là. Je pense que l'accident avec sa jambe lui a pas fait du bien. Minerai de fer, ok. Oh la vache! Le temps qu'il lui faut pour récolter un minerai de fer. Maurice s'est blessé à la jambe. Encore! Marche lentement. Une attelle. Ouais, mais l'attelle, on n'a pas la recherche. Ça prend un temps de dingue, les recherches aussi. Donc là, je suis passé sur la médecine. Hein. J'ai coupé la bière. La brasserie, ça reviendra un peu plus tard. On va d'abord soigner et après on picolera. Et vu qu'on pourra soigner, on pourra encore plus picoler. Ça, c'est normal. Un migrant est arrivé. Oh, yes! Yes, 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 très très bon ça. Qui c'est qui est à peu près en forme, qui est pas trop fatigué? William, ok, William, viens lui parler. Parlez. Vous voyez? Il est clopin-clopin, hein, notre ami Maurice là. Ouais, t'es boiteux. C'est le boiteux de la série, voilà. Il en fallait bien un cagneux, un boiteux, c'est ma tête de turc, il est boiteux, il a tout qui va bien lui. Le pauvre, je vais lui porter la choukoumoune, je suis sûr à force. Vous savez quoi? On va le prendre. On va l'accepter. Berthe, on va te filer... Ah, ben, il faut qu'on te reconstruise tout. On va te filer une piole... Une piole d'attente. Et ça, j'avais pas pensé que si en fait, on peut recruter pas mal de monde, j'avais pas pensé à faire une chambre d'amis, quoi. Juste pour la nuit, histoire de dire le temps de leur construire une baraque. Donc déjà, Berthe, viens te construire le lit. T'es en forme? Alors, allergique aux pommes, allergique aux tomates. T'es pas emmerdeuse, toi. T'es pas une emmerdeuse. Ah, je le sens bien. Elle est allergique à tout. Elle mange des pommes. Non, de la viande et des patates. Voilà, c'est tout. Ça va être galère, ça. T'es artisan forestier. Pour l'instant, t'es bâtisseur. Bâtisseur, pardon, on va te laisser comme ça. On va essayer de te spécialiser aussi en minerai. Parce que pour le temps de récolte qu'il faut. Stockage d'armes, voilà. En fait, ça va vraiment être une piole d'attente, ça. Il va falloir que j'en fasse une quelque part. Je sais pas trop où. Prendre la propriété. Avoir une cheminée dans sa maison. Tu te fous de moi? Est-ce que tu te moques de moi? Avec Alexandre. Mais non, mais laisse. Arrêtez d'avoir un support de livre recherche dans la colonie. Et c'est bon ça. Ça c'est bon. Donc va miner. Va miner du caillou. Allez hop. Ça on en a un. Avoir un stocké. Des outils, un stocker d'outils. On va te le faire aussi, ma petite. Alors, un râtelier. Voilà. Claire, elle est où? Claire, elle est là. Claire, arrête de construire. Viens là. T'as fait du tissu, c'est bien, ma petite. Berthe, tu prends la possession. Avoir un support de parchemin dans la colonie. Ah. Là, prendre, c'est être un peu plus tendax. Étagère de parchemin, il faut du minerai de fer. Maurice, faut que tu mines du fer. Ok. Et Berthe, faut que tu mines du fer. Et Berthe, on va te faire une pioche en bois. Maurice, de toute façon, dans 14 jours, il est mort. Ça aussi, les amis, je trouve que le temps de décès des personnages est très très rapide. Et notamment, vous voyez Maurice, le pauvre, ça fait pas longtemps qu'on l'a. Parce qu'en termes de jeu et d'heures de jeu, c'est pas dingue. Et le jeu est modé. Le jeu est modé, donc je peux rajouter un mode qui permet de rallonger leur espérance de vie x5 ou 4, je crois. Donc dites-moi si je peux le rajouter. Si oui, je le fais pour les prochains épisodes. Et, ou pour le prochain live, peut-être ce week-end si j'ai le temps. Mais je le rajoute pour la prochaine fois que je joue sur le jeu. Comme ça nous laisse un peu plus de temps pour profiter de nos personnages, quoi. Parce que sinon, ils décèdent assez vite. Et vu le temps que ça leur prend à monter les métiers... ouais, ça fait un peu yèche, quoi. Ça fait un peu yèche parce qu'on passe beaucoup de temps et on n'a pas le temps, en fait, de vraiment les spécialiser, vous voyez. Même William, qui est érudit, il est pas encore à fond. Pour avoir les 4 points, là, c'est super long. Et il est déjà à la moitié de sa vie, le pauvre.
On va dire à quelque chose près, il a un moitié quoi. Il y a un gros quart passé quoi. Donc si vous me l'autorisez, dites-le-moi dans les commentaires, ce serait fun et ça m'arrangerait. Je vais pas vous mentir les amis, ça m'arrangerait que vous l'acceptiez. Donc je le prends avec volonté. Bon, je continue à faire un rush, je vous fais un cut là, parce que je vois que ça fait 28 minutes. Je vous fais un cut pour continuer un peu à progresser et à essayer de finir sur quoi on était parti là. Les amis, Maurice y va enfin nous servir à quelque chose, ça y est. J'ai posé une étagère, une grande bibliothèque pardon, qui permet à vos personnages de faire de la recherche tout simplement sur un métier. Donc pour la médecine, j'ai pu lui dire, Maurice viens ici, apprends la médecine tout simplement, du t'étudies, et lui faire prendre la mise en place d'une attelle maintenant. Tu peux pas te poser une attelle à toi-même? C'est fini? Tu peux plus? Bon, il peut plus. Tant pis. J'ai remanié aussi 2-3 trucs. C'est-à-dire que pour Maurice, vu qu'il est tout clopin-clopin, vous voyez, il a du mal à avancer quoi. Il avance moins vite que les autres. Donc je l'ai sorti des mineurs. Parce que c'est vrai que le minage, c'est... il y en a à côté, mais ça va, il va quand même assez loin. Ça fait vite perdre du temps. Ça fait vite perdre du temps, pardon. De faire des allers-retours comme ça. Donc je l'ai foutu en doc. En doc, en fermier secondaire et en artisan en troisième. Comme ça, dès qu'il y en a un qui... Si par exemple, Emmanuel à la ferme, il a un peu de mal. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est que Maurice vient lui filer la main. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, on est sûr d'avoir de la bouffe. J'ai donc mis Berthe au minage. C'est ce qu'elle fait, Miss Tinguette. Le truc, c'est que je veux qu'elle apprenne... Elle a pas assez de points, donc c'est pareil. Là, elle mine de la pierre, bon, on en a pas mal. Mais c'est pareil, je lui fais faire rechercher, apprendre le minage. Vous voyez, vous avez tous les métiers. Minage, forestier, agriculteur, recherche, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que ça va un peu plus vite que de miner réellement. Donc vaut mieux étudier. J'ai posé aussi un petit puits qui puisse arroser les plantes. Et apparemment, ça double, voire triple récolte. Et j'ai l'impression que c'est ça parce que juste avant, vous me direz si je me trompe. Oui, c'est bon, jour tranquille, pas de problème. Ouais, Alex, de toute façon, tu taffes, il y a du bois de partout. Ça permet d'arroser les plantes, et je crois que sur certains pieds, quand ils sont arrosés, ça double la production, et ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'au lieu d'une tomate, vous en récoltez deux, donc là maintenant, on est plutôt bien. Et tomate cul, voilà, c'est pour ça que j'en ai mis une pagaille, comme ça, ils vont en cuire un paquet. Et ça permet d'avoir de la bouffe, de l'aliment cuit. Ensuite, j'ai remanié William, il est resté pareil. Manu, pareil. C'est Alexandre, je crois que j'ai légèrement bougé. Je l'ai laissé en forestier. Et je l'ai également mis en mineur, vu qu'il n'y avait que Berthe toute seule. Et pour miner le fer et la pierre, ça va être un peu galère. Donc je me dis, Alexandre, quand il y a trop de bois, comme là, maintenant, on a 200 bois. Je pourrais augmenter le stockage pour qu'il continue à farmer le bois. Mais pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité plus que ça. Donc je l'ai mis en mineur, comme ça il continue à miner un peu. J'ai agrandi la place aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a bougé donc tout l'atelier, là c'est fini. J'ai construit ça, j'ai même pas encore regardé. C'est l'atelier de maçon, on va regarder avec vous. Une hache en pierre et une pioche en pierre. Ah mais ça c'est génial. Putain ça se vend cher en plus. Par contre il faut beaucoup de pierres. Donc ça on va quand même en faire une. Pour notre amie Berthe qui est notre mineuse. Et une hache en pierre, on va aussi en faire une pour notre ami Alexandre. Comme ça, ils pourront craft du bois. Enfin, ils pourront farmer la pierre et le bois plus rapidement. Parce que même si ça vaut cher à produire, à long terme, ce sera top. Les Tiki Gobelins attaquent. Impeccable, c'est qui ceux-là? Ah putain, ils attaquent en nombre en plus. En plus, Alexandre est pas en forme en termes de santé et tout. Ça, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Mais bon, on a déjà subi une attaque de gobelins dans cet épisode. Je pense qu'il va être quand même assez long en termes de montage. Parce que j'ai quand même rushé, même si c'est pas très intéressant. Enfin, pas très intéressant. Non, je dis des conneries, coupure. Je pense qu'il y aura de quoi faire. Et surtout, dites-moi si vous voulez que je fasse un live dessus pour avancer avec vous un peu. Parce que, vous voyez, ça fait 2 heures que j'y suis. Et j'ai l'impression de pas avoir fait grand-chose au final. Pas avoir fait grand chose, ça prend vraiment beaucoup de temps. Je pourrais préparer des plans voilà, de structure, de maison, ce que je vais faire dans tous les cas, parce que là on a plus de lit de passe. Là il y a la maison d'Alexandre, il faut qu'on en prépare une autre. Et vous me direz ce que vous en pensez.
Alors là, évidemment, ça ressemble pas à grand-chose vu comme ça, mais je pense qu'avec un côté à deux niveaux, avec il faut que je rajoute des fenêtres aussi, parce que là, ça ressemble à rien. On va faire ça de suite avant de se laisser. Histoire que ça ressemble un peu à quelque chose. Non, comme ça. Que ce soit à peu près centré. Voilà. Et on va même mettre une fenêtre... Il est où l'escalier? Il est là. Juste au niveau de l'escalier. Histoire qu'il y ait une fenêtre sur le côté. Et là, j'en avais pas mis pour le moment parce que je savais pas comment j'allais faire le micmac pour relier les maisons. Est-ce que je fais un jardin ou pas? Dites-moi ce que vous voulez. Comment vous voyez le truc pour agencer un peu ça. L'atelier, c'est pareil. Ça fait une grosse pièce qui est pour l'instant assez vide. Mais une fois que vous posez tout ce que vous avez besoin, ça prend vite de la place. Et j'ai cette quête là, avoir un stockage de 208 pièces pour les pirates. Et en fait... j'ai regardé, mais c'est dur, c'est pas simple à voir. C'est qu'il faut 218 pièces, donc il faudra un coffre, mais il faut 30 minerais de fer et 5 bois. Alors le bois, c'est facile, c'est le minerai de fer. Le minerai de fer est très compliqué à avoir. C'est pour ça que Berthe, je lui fais apprendre le minage, qui d'ailleurs va y arriver assez vite, là on accélère le temps. Voilà, niveau 2. Donc maintenant, je peux lui dire, tu vas fermer 2 cailloux de fer. Tu vas lâcher ça et tu vas miner du fer. Et ça, comme ça, elle va nous faire un bon truc de fer pour les prochains épisodes. Là, il y a des... Oh, il y a des... J'avais oublié qu'on avait laissé des cadavres là. Ça fait quoi, ça? Retirer. Ah ouais, d'accord. Ouais, je pense que quand il passe à côté, ça doit pas être très bon pour le moral. Donc ça, on le fera dans le prochain épisode. Oh, il y a les gobelins qui ont cassé les portes là. Oh, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où, ils sont où? Ils ont tapé Arthur et tout. Non, ils ont tapé notre vache. Notre pot de vache. Je les vois pas. Bon, on réglera ça dans le prochain épisode, les amis. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi soir. Profitez bien. Un bon week-end. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous à tous. A plus. Ciao, ciao.